Qu'est-ce que signifie être à la ramasse? Une expression du jargon cycliste, c'est le nouvel épisode de notre série Le jargon du vélo expliqué. Donc aujourd'hui, je vais vous donner la signification de l'expression donc être à la ramasse. Alors plusieurs choses à savoir sur cette expression cycliste. La première chose, c'est que être à la ramasse, c'est être vraiment pas bien. C'est être en très très grande difficulté. Alors en plus, j'ai choisi une montée pour vous parler de cette expression. Donc c'est être en très grande difficulté et vous pouvez l'être partout, aussi bien en course qu'à l'entraînement. Et en course, vous pouvez être à la ramasse en tête de course. Par exemple, si vous avez présumé de vos forces, alors vous serez d'un coup en grande difficulté, en train peut-être de zigzaguer sur la route, en tout cas en étant beaucoup moins efficace et en vous sentant très mal. Vous serez donc à la ramasse. Vous pouvez l'être aussi lorsque vous êtes en chasse-patate, toujours parce que vous avez présumé de vos forces, parce que vous êtes dans un jour sans, ou bien peut-être à cause d'un coup de fringale, et ça peut arriver aussi lorsque l'on est dans le peloton. Donc, et là c'est plus grave, si vous êtes à la ramasse. Non, il ne m'a pas dit bonjour. Donc, je disais, si vous êtes à la ramasse dans le peloton, c'est beaucoup plus grave. Car là, entre guillemets, vous vous rapprochez de la voiture balai. Et en plus, il y a une voiture derrière moi. Ah ben tiens, pour l'illustration, c'est très bien. Donc, je disais, vous vous rapprochez de la voiture balai. Ou plutôt, c'est la voiture balai qui se rapproche de vous. Et là, vous allez être, vous prenez le risque d'être ramassé par la voiture balai. Ça peut arriver aussi à l'entraînement, et si ça vous arrive à l'entraînement, eh bien vous serez ramassé par la voiture qui vous suit, par exemple le dimanche lors de la sortie commune du club. Donc vous serez ramassé par la voiture du directeur sportif. Donc vous voyez, être à la ramasse, on peut l'être aussi bien en course qu'à l'entraînement, et on peut l'être. Donc ça signifie être en très grande difficulté, et on peut être en très grande difficulté à cause de plusieurs choses, parce qu'on n'est pas en condition, par exemple le début de l'année, on n'est pas assez bien entraîné, peut-être aussi parce qu'on est surentraîné, le surentraînement, c'est vrai, ça existe aussi, on peut être à la ramasse parce qu'on a présumé de ses forces, aussi bien en course qu'en entraînement, et quelle que soit notre position et ce que l'on faisait avant, on peut être à la ramasse à cause d'une fringale ou bien à cause d'un jour sans. Voilà, c'était l'épisode être à la ramasse du jargon du cycliste, jargon du cyclisme expliqué. J'espère que vous ne serez pas à la ramasse lorsque vous serez sur votre vélo. Je vous souhaite une très bonne route. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cyclisme Attitude. Cliquez sur j'aime si cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite. Abonnez-vous. Activez les notifications. À très vite.